La rue, la seule, unique, la vraie. Oh, maman. Casa, e aí ninguém me comprou.
Je vais te demander, c'est trop bien là.
Thank you.
bien-aimés, chers frères et sœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, depuis quelques semaines, nous avons appris le départ définitif de cette terre de notre bien-aimé Dominique. Et depuis cet instant, nous n'avons cessé d'exprimer à sa famille, à sa mère, à ses soeurs et frères, à ses enfants et aux familles alliées, notre proximité, notre soutien, notre tendresse et notre amitié. Ce soir encore, nous avons répondu oui à l'appel de Dominique en ce lieu, pour prier pour elle, pour sa famille et aussi pour chacun d'entre nous. Nous savons, chers frères et sœurs, que nos vies sont marquées par leur fragilité, leur faiblesse. Et ces fragilités, quelquefois, nous poussent à nous détourner de ce qui fait notre bien, de celui qui est l'auteur de notre existence, Dieu, pour nous tourner vers ce qui n'est pas. Voilà pourquoi nous voudrions, au début de ce temps de prière, pour Dominique, entrer en nous-mêmes. Et avec humilité, invoquer sur nous et pour surtout pour elle, la miséricorde de Dieu. Le qui dit dans sa parole qu'il est lent à la colère, plein d'amour, de tendresse et de pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Seigneur. Seigneur, les mots nous manquent. Nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière que tu connais et que tu aimes. Son chemin l'a conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-la dans la clarté et la paix de ton royaume. Et que ton amour soit pour nous sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première dizaine de chapelet. Pour toi, Dominique, qui vient de nous quitter, nous prions le Seigneur qu'il t'accueille dans la plénitude de son amour, qu'il te fasse rentrer dans sa maison, au cœur même de sa tendresse. Nous prions encore que la gloire de Dieu te rassasie, que les cieux nouveaux et la terre nouvelle te soient une découverte insondable, et que la résurrection de Jésus s'accomplisse en toi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô cœur sacré de Jésus, Immaculé de Marie, priez pour nous. Sainte Dominique, priez pour nous. Sainte Dominique, priez pour nous. Sainte Dominique, priez pour nous. Amen. Yeah.
Alliés, chers amis de Dominique, chers MTNers, c'est un bien douloureux de voir que celui qui m'incombe aujourd'hui de venir adresser un suprême adieu à l'excellente MTNE qu'a été Dominique Remarque. Le destin n'a pas voulu que Dominique achève dans le calme une carrière dont elle avait gagné toutes les étapes par un travail opiniâtre. Elle s'en va dans la plénitude de sa belle intelligence, jeune encore, terrassé par un mal après d'âpres luttes. Je m'incline aussi devant la douleur et le chagrin des siens, car Dominique était doué des plus rares et des plus précieuses qualités de cœur, et personne ne pouvait plus loin qu'elle, ne poussait plus loin qu'elle le culte de la famille. À MTN, par son affabilité et la sûreté de son jugement, Dominique avait su conquérir l'estime et la sympathie de tous. Tout a commencé là-bas, il y a de cela 12 ans. C'est par l'exercice de ses fonctions de manager qualité des initiatives au sein de la direction Customer Services que Dominique décide de poursuivre sa carrière professionnelle à MTN Côte d'Ivoire. Fort de ses résultats, elle est très vite promue au poste de Senior Manager Customer Care et un an seulement plus tard, elle occupe le poste de General Manager Customer Care. En mars 2013, MTN la promeut au poste de General Manager
MTN Business, ce qui marquera un tournant majeur dans sa carrière. Plus récemment, en 2019, c'est dans les fonctions de Head of Enterprise Portfolio Management Office qu'elle devait continuer à donner toute la mesure de sa valeur. Mais malheureusement, elle n'aurait été honorée par l'État de Côte d'Ivoire que par la médaille d'honneur du travail catégorie argent. Dominique Remarque était l'une de ces femmes qui placent leur action au service des autres dans le souci de promouvoir la culture du résultat. Douée d'une puissance de travail remarquable, passionnément éprise de son travail, elle était pour moi une collaboratrice précieuse d'un dévouement sans épreuve. Depuis sa disparition, nous ne cessons de lui rendre hommage, car pour nous, Dominique a fait progresser l'inclusion et les perspectives au sein du MTN. Elle a su promouvoir un milieu de travail inclusif en invitant divers points de vue, en encourageant la collaboration et en donnant l'exemple de l'appréciation et du respect envers les collègues. Pour nous, Dominique a fait ressortir des MTNeurs en jouant d'un leadership au quotidien dans le développement de la confiance et de la crédibilité grâce à une communication ouverte et respectueuse en faisant preuve de responsabilité. Pour nous, des solutions innovantes par sa collaboration afin d'obtenir des résultats. Elle a toujours su participer à la promotion et à la résolution des problèmes en abolissant les frontières de division et en créant de nouvelles relations pour améliorer la façon dont le travail est effectué. Pour nous, Dominique a eu une contribution exceptionnelle. En travaillant souvent dans des coulisses, elle allait constamment au-delà des attentes sans fanfare quand et où cela était à un niveau élevé. Pour nous, Dominique a su fournir un service cohérent et exceptionnel à nos clients. Elle a constamment pris l'initiative d'améliorer la valeur et l'efficacité des services que nous leur fournissons. Pour nous, porter simplement et soutenir MTN en répondant aux besoins du présent et du futur. C'est pour toutes ces raisons que nous n'avons pas voulu qu'elle soit un héros méconnu, car ses actions démontrent sa croyance dans le concept de la communauté. Sa contribution a simplement dépassé les limites de ses fonctions pour cette communauté. À l'unisson de la poétesse, affirmer que les larmes sont parfois une réponse inappropriée à la mort. Quand une vie a été vécue vraiment, honnêtement, vraiment avec succès, ou quand elle a été vécue simplement, la meilleure réponse à la ponctuation finale de la mort est simplement un sourire. Je voudrais donc taire mes larmes et renouveler à la famille Remarque le témoignage de l'affection de toute la famille de MTN. À maman, qui a été admirable pendant la maladie de Dominique, à ses filles Morgane et Alexia, à ses frères et sœurs, à ses amis, j'exprime notre profonde tristesse et notre solidarité dans l'épreuve qu'ils traversent tous. Notre estime et notre gratitude vous sont aussi à jamais acquises. Au nom de l'ensemble des MTNeurs,
de Côte d'Ivoire et de l'ensemble du groupe. J'adresse à l'excellente collaboratrice que je perds à la personne de Dominique un grand merci. Adieu, ma chère Domi. Adieu, la rose jaune de MTN. Nous t'aimons à jamais. Deuxième dizaine de chapelets pour la famille. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie les larmes de maman Remarque, de son frère et de ses sœurs, de ses filles Alexia et Mor, de ses collègues de MTN, de ses amis et de tous ses proches qui ont besoin de toi, Seigneur. Qu'ils recensent tous la chaleur de ta main posée sur eux en signe de fais grandir en nous l'espérance en la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Son sens de l'organisation, ses et son côté premier de classe qui rentre toujours en premier. En dépit de cette conscience professionnelle, Dominique savait nous amuser, elle savait nous faire rire et créer un cadre de travail agréable. Ses collègues l'ont affectueusement surnommé Speedy Gonzalez, en référence au personnage de bande dessinée, pour la vitesse avec laquelle elle traitait ses emails. Dominique était parfaite. C'était une machine, en fait. Donc, sa boîte mail, par expérience, était un exemple de professionnalisme. Aucun mail en retard. Elle les traitait tous, ils étaient impeccables, et dans les délais en plus. Et elle était toujours à la disposition de ses collègues, prête à aider, à travailler avec eux. Je vais vous relater une anecdote, vous montrer un peu la facette de Dominique. Donc, il y a quelques années, nous avions eu un comité de direction qui était assez difficile. Je pense qu'on parlait du budget à l'époque. Donc on a eu des discussions houleuses, c'était un peu chaud. Et on avait pour habitude, quand on finissait, d'aller manger au restaurant. Et il nous demande à s'asseoir avec nous. Donc Dominique lui dit, je cite, « Nous sommes venus ici pour te critiquer tranquillement. Parce que c'est pas une bonne idée que tu restes avec nous. Autant partir. » Bien évidemment, ça fait éclater de rire l'ensemble des membres du comité de direction. Et on a pu avoir un repas tranquille. Après toutes les pesanteurs qu'on avait eues, c'était tranquille, c'était cool. Et donc tout ça pour dire que Dominique avait quelque chose de magique.
de sensationnel, d'extraordinaire, de pouvoir transformer un moment de joie. Et ça, pour ça, elle va nous manquer. En matière d'amitié, nous, ses amis et proches, avons noté qu'elle consacre du temps pour écouter et pour conseiller. Nous nous souvenons de sa joie de vivre. Les moments que nous avons partagés ensemble sont désormais de merveilleux souvenirs. Notons qu'elle a un grand cœur. Dominique avait un grand cœur et ça, ceux qui la connaissent le savent. Elle s'est donnée autour d'elle et donnée sans compter, donnée sans rien attendre en retour. Les exemples foisonnent à souhait. Dominique avait l'habitude de s'occuper d'un grand nombre de personnes, financièrement et matériellement. Elle donnait de l'argent, elle aidait comme elle pouvait. Et souvent, à la fin du mois, il y avait des coups de fil, les gens l'appelaient, mais elle donnait, faisait toujours un geste. Elle a aidé beaucoup de personnes autour d'elle. Avec beaucoup d'humanisme. Une seconde anecdote sur son côté, sur sa personnalité. Dominique nous a appelé un matin pour nous dire, j'ai besoin de trouver un avocat. Mais quel litige tu as pour trouver un avocat en ces temps-ci? Elle dit, non, trouvez-moi un avocat. Et donc après, mon ami l'appelle pour lui dire, Dominique, quel est le problème? En fait, Dominique voulait aider l'un de nos collègues, enfin, anciens collègues de MTN, pour qui elle avait de la compassion, en fait. Il avait une difficulté. Il y avait une procédure à la police et il fallait que se fasse assister d'un avocat. Donc Dominique a payé de sa poche les honoraires de l'avocat pour qu'il puisse être accompagné autour d'elle. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir permis que nos chemins et nos trajectoires aient pu se croiser. Nous savons que là où elle est soulagée d'avoir mené le bon combat, comme celui de l'amour de son prochain, ce que résume ces versets tirés de 2 Timothée du chapitre 4, versets 7 à 8. Et je cite, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Fin de citation. Maintenant qu'elle a rejoint Dieu le Père, laissons-la se reposer en paix. Que la lumière de ses bonnes actions éclaire son chemin, jusqu'à la splendeur de la place que Dieu lui a réservée dans son royaume céleste. Je vous invite afin que Dieu notre Père, dans sa grande miséricorde, l'accueille dans son royaume céleste. Que la paix de notre Seigneur, protection divine, lui soit offerte en cadeau et en récompense. Dominique, tu laisses un grand vide pour ta famille, pour ta mère, pour tes filles, Alexia et Morgan, pour tes frères et sœurs, pour tes collègues, pour tes amis et pour tes connaissances. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous te prions afin que l'organisation des obsèques de Dominique nous apprenne à être plus solidaires des uns des autres, à nous aimer davantage de l'amour de celui qui s'est sacrifié en mourant sur la croix. Que ses obsèques soient à l'image de sa vie, faites de sourire et de rire, d'amitié, de travail et beaucoup d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils. Ton pardon, ton pardon.
fille de Patrice Remarque pour le troisième témoignage, mesdames et messieurs. Car elles sont ce que Dominique avait de plus précieux au monde. Voici ce qu'elles ont écrit pour leur maman. Maman représentait beaucoup pour de nombreuses personnes. Elle fut tout d'abord une fille et une sœur tout à la fois. Elle fut par la suite une amie, une meilleure amie, une maman. Une tante, une conseillère, une confidente, mais ce qu'elle fut pour nous dépasse tout entendement. Cela nous fait vraiment bizarre de nous exprimer au passé parce que nous ne réalisons toujours pas qu'elle n'est plus là. Nous avons tant redouté ce moment où l'on nous demanderait de nous exprimer. Nous allons vous parler de la femme que nous avons eu la chance et l'honneur d'appeler maman. Elle nous a donné une vraie leçon de vie et ses propos sont faibles pour qualifier ce que fut cette femme incroyable. Notre maman, ce cadeau du ciel, qui disait souvent « t'es béni d'avoir des enfants comme nous », mais c'est nous qui étions bénis en réalité, de l'avoir eue comme maman. Elle nous a inculqué toutes les valeurs dont nous avions besoin et elle nous a donné toutes les armes pour réussir dans la vie. Elle nous a toujours dit que même le ciel n'était pas la limite et que si nous croyons en nous, nous pourrions tout accomplir. Aimante, calme et joviale, juste et sans jugement, tu étais notre meilleur ami et tu le seras pour toujours. Ton humilité et ta dignité face à la maladie est une véritable leçon. Tu impactais tellement de vies, mais toujours dans la discrétion et l'humilité. Maman, tu n'es pas seulement notre maman, tu es une rassembleuse. Une mère et une figure maternelle pour tant d'autres personnes. Nos soirées sushi, nos after-work où tu nous parlais de la vie, nos après-midi shopping à Ferrage, nos soirées Colombo, nos dimanches piscine avec la musique à fond vont nous manquer. Tu n'es pas parti car nous savons que tu es avec nous chaque seconde. Tu vis à travers nous et nous nous rappellerons toujours de toi à travers une chanson. Un film, une parole. Tu nous l'as dit à travers ta petite vidéo. Tu n'es pas parti. Tu as juste pris le train vers une destination plus belle. Nous t'aimons, maman.
Donc, après le témoignage de Morgane et d'Anne, je vais enchaîner aussi. Et cette fois-ci, je serai le porte-parole des neveux et des nièces. Et voici ce qu'ils disent. Nous retrouvons de Tata Dominique une tante exceptionnelle. Notre Tata Dominique était un véritable lien d'union. Elle prenait des nouvelles de tout le monde. N'oubliez jamais un anniversaire, notamment les anniversaires de ceux qui nous ont quittés. Nous retiendrons aussi d'elle son implication sur les différents groupes de communication familiaux. En bonne petite dernière de famille, elle était toujours au courant de la dernière actualité ou des derniers affairages qu'elle n'hésitait pas à partager. Bien pour heureux, notre seconde mère, notre confidente, c'est vers elle que nous nous tournions pour lui confier tout ce que nous n'osions pas dire à nos mamans biologiques. Elle avait toujours une oreille attentive et sans jugement, ainsi que les bons mots pour nous conseiller et nous réconforter. Tata Dominique était une tante d'exception, mais également formidable. Toujours impliquée et présente pour ses petits-enfants, en particulier Lola et Naya. C'était une mamie gaga, très attentionnée et qui débordait d'affection. Aujourd'hui, elle ne meurt pas. Oui, qui allume en chacun de nous une flamme d'amour qui n'aura pas de fin. Elle sera à jamais un exemple pour nous, professionnellement parlant, mais surtout humainement. Si nous avions un dernier mot à lui dire, ce serait merci. Merci pour la marque positive qu'elle a laissée dans nos vies, pour son rire qui a bercé nos moments passés avec elle et qui résonnera à jamais dans nos têtes et dans nos cœurs. Et pour terminer, je veux m'exprimer ce soir au nom de mes sœurs, de mes frères et bien sûr de notre bien-aimée maman. Dominique, chère fille, sœur, maman, amie, tu es partie rejoindre ton père. Tu as également rejoint papa, Jean et tous les autres qui nous ont précédés. Tu es loin, c'est vrai, parce qu'on ne te voit pas, mais tu es si près de nous, en chacun de nous, par l'éclat de ton rire, qu'on entendra toujours par tes colères aussi. Nous te promettons, nous, tes frères et sœurs, de nous occuper de tes enfants qui sont les nôtres. Nous te promettons, par notre engagement, d'entourer maman qui pleure, qui te pleure, de l'entourer avec tout notre amour qui sera décuplé avec le tien. Parce que même si tu n'es pas là, nous te sentirons à nos côtés. Morgane et Alexia portent en elles une partie de toi. Et en nous, elles vont retrouver des mamans. Elles ont des frères et sœurs parce que la famille est, tu le sais, élargie. Nous te promettons également d'accompagner tous ceux que tu as aidés. Ces jeunes qui depuis nous témoignent de ce que tu as fait pour eux dans le silence. Ce qui est certain, c'est que ton œuvre ne sera pas vaine. Tu as marqué nos vies, nous t'aimons et c'est éternel. Tu étais une perfectionniste et nous nous battons aussi pour gagner ces cérémonies avec perfection. De là où tu es, nous imaginons ton petit rire moqueur face au petit couac de l'organisation. Dominique, nous te promettons d'être les dignes héritiers de tous tes combats. Nous ferons en sorte que ton héritage ne s'arrête pas ce 7 avril de triste mémoire.
Ici-bas, on célèbre toujours les personnes qui nous ont quittés. Toi, on a salué tes qualités de ton vivant. Promettons d'honorer ta mémoire tout au long de notre vie afin que les générations futures sachent qu'il y a eu, à un moment donné, dans cette famille, une femme du nom de Dominique Remarque. Ce soir, c'est dur. Tu avais un lien si fort avec elle. Son chagrin est immense. Tes appels quotidiens vont lui manquer. On reste digne. Nous ne pensions pas nous retrouver ici de si tôt. Nous pensions tous que nous serions en train de vieillir ensemble et que nous rigolerions de nos bêtises d'il y a 50 ans. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Ce soir, maman, tes frères et sœurs, Alexia et Morgane, tes neveux et tous ceux qui te suivent grâce à la magie du digital, nous savons que tu es parti, mais tu es toujours là. Nous nous engageons de faire en sorte que ce que tu as planté pousse. Amour éternel pour toi, Dominique. Amour éternel et infini. Veille sur nous, Sainte Dominique. Veille sur moi, sur tes frères et sœurs, sur tes filles, sur tes neveux et nièces, sur tes petits-enfants et sur tes amis. Nous savons que là où tu te trouves, tu es en paix. Je m'aime en espoir dans le Seigneur, je suis ici sans avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 5 verset 1 à 12. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant, il se mit à les instruire. Il disait, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense se grande dans les cieux. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous asseoir, chers sœurs. Mes chers frères et sœurs, je voudrais, avant de vous partager ma méditation, dire avec Bonané ici présent, le père le curé de la paroisse, notre Sainte Thérèse et Macorie, dire à notre nom à nous deux, Yako. Yako, à la maman de Dominique, Yako aux frères et sœurs, Yako aux enfants, Yako à ses collègues de MTN, Yako à tous et à chacun. Que Dieu lui-même soit votre réconfort et consolation. Chers frères et sœurs, dans le quotidien de notre vie, c'est qui bouleverse tout. C'est une réalité qui me permet de prendre conscience que tout est passager, que je vive une seconde, que je vive 1000 ans, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Je passerai tôt ou tard. Quelquefois, nous vivons comme si, chers frères et sœurs, nous allons demeurer éternels. Mais nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Et ce soir, je voudrais, chers frères et sœurs, on va insister sur ce, parce que ce projet-là, eh bien, Dieu l'avait aussi pour Dominique. Elle a su à sa manière, écoutant tous ses témoignages depuis la cour familiale de Kumasi ici, écoutant tous ses beaux témoignages, on découvre qu'elle a su vivre à sa manière ce projet, non pas pour elle seule, mais à sa famille, à ses collègues et à vous, ses amis. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Le bonheur se partage. Le bonheur se transmet. Le bonheur se communique. On ne peut pas être tout seul. On est heureux avec les autres, puisque nous sommes des êtres de relation. Je ne me réalise pleinement qu'en tant que personne, même que dans la mesure où je relation avec mon frère, avec ma soeur, avec l'autre, qui est un frère de l'humanité. Et c'est ce que le vécu de Dominique, lorsque nous avons écouté les témoignages authentiques, vrais, venant du cœur des uns et des autres. Cependant, moi qui suis ici ce soir, et c'est la fin de mon propos, qu'est-ce que je peux retenir, ou qu'est-ce que je pourrais retenir de ma relation singulière avec Dominique, qui me permettra de donner du sens à mon existence, qui fera de ma vie une vie de qualité, comme ce fut le cas pour Dominique. Qu'est-ce que je retiens d'elle qui va booster ma vie? Pour que demain, moi aussi, on puisse parler de moi, parce que, chers frères et sœurs, nous allons partir. Mais il faudrait que nous puissions partir dans la dignité et dans l'honneur.
Voilà, chers frères et sœurs, ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir, à l'occasion de ce beau temps de témoignage que nous voulons faire à notre très cher Dominique. Mais que son sourire reste dans le cœur de tous et de chacun. Que son sourire soit ce soleil de minuit. Ce soleil qui brille même en hiver. Dans l'hiver de nos vies, dans les hivers de nos vies, que le sourire de Dominique nous réchauffe. Que le sourire nous dise, la vie avec l'autre est possible. Le bonheur est possible. Penser à l'autre est possible. Vivre une relation communion avec mon frère, même s'il ne pense pas comme moi, même s'il est différent de moi, c'est possible. L'autre n'est pas mon adversaire. L'autre n'est pas mon ennemi. L'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur que je suis appelé à aimer dans le don total de ma personne de manière inconditionnelle. Cher Dominique, va en paix. Que de là-haut, tu puisses veiller sur chacun d'entre nous. Que Dieu lui-même t'ouvre les bras, qui t'accueille au royaume et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avec confiance, faisons monter vers Dieu nos prières pour Dominique, pour sa famille, pour la suite de ses obsèques et pour chacun d'entre nous. Prière universelle. Devant la mort, nous trouvons notre force en Dieu et notre consolation d'avoir d'être réunis un jour auprès de lui. Nous demandons au Seigneur de rendre cet espoir encore plus vivant dans nos cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour Dominique qui vient de nous quitter. Demandons à Dieu de lui pardonner toutes ses fautes, de récompenser sa bonté et son dévouement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes rassemblés près d'une mère, de frères et sœurs, d'une famille, la famille Remarque, et d'amis en deuil. Notre présence ici prend donc tout son sens, entourée de notre affection et de notre espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pensons aux malades qui se battent contre la mort et pour tous ceux qui sont dans la peine. Demandons à Dieu de les soutenir dans leur souffrance, l'espoir de la vie éternelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ceux que tu aimes. Écoute nos prières pour ta servante Dominique qui vient vers toi. Accueille nos supplications pour elle, pour sa famille, pour chacun d'entre nous, par Jésus.
le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Deuxième intervention, mesdames et messieurs, en tant que porte-parole de la famille, monsieur Patrice Rimac. Pour l'amour des remerciements, également pour la suite du programme des obsèques de notre regretté. Ainsi, cérémonie. Et je tiens à remercier certaines personnes en particulier. Je remercie Tonton Traoré pour sa présence, son support. Je voudrais remercier aussi le ministre, monsieur. Mais aussi le silence. C'est toi qui ne cesses de nous entourer de ton amour. Tu es proche de ceux qui souffrent. Regarde tes amis dans la peine. Sois notre refuge et notre soutien. Pour nous dépasser la douleur et ses ténèbres, pour accueillir la paix et la lumière de ta présence. Ton Fils, notre Seigneur, par sa mort, a détruit notre mort et nous a rendu la vie en ressuscitant. Donne-nous la force de marcher chaque jour à sa suite, pour que nous soyons enfin rassemblés là où tu essuieras toute l'âme de nos yeux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maman, je voudrais dire un grand merci au Père Emmanuel Savadou qui est là. Merci à lui, merci à Coral, merci à tous et à chacun. Dominique vous a convoqué, vous êtes venu répondre à son appel. Que Dieu vous permette de rentrer chez vous sains et saufs, qu'il veille sur vous, que nous puissions nous retrouver demain pour encore une fois honorer celle qui nous rassemble et qui nous a quittés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mesdames et messieurs, priez, vous rasseoir s'il vous plaît. Il ira une fois de plus. Des condoléances aux membres de la famille éplorée. Et à leur passage, le comité d'organisation passera également et nous allons tous, mesdames et messieurs, assister au retrait de la famille de la salle. Hallelujah! 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 Hallelujah!
t'admissent, que je dois ma vie à tes fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès. C'est à Dieu seul que je dois ma vie. Il a donné son fils Jésus, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie. L'âme salut près de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma vie. C'est rappelé. C'est pourquoi je te dis, l'union de ta vie, c'est de l'amour. You fill my heart.